Bonjour à tous et bienvenue dans cette pause capsule vidéo de petits textes choisis, bulle de bienveillance, bulle de sagesse. Alors je vous ai mis un joli ciel bleu et des petits nuages et la partition vierge, évidemment les fils électriques. J'ai choisi un texte aujourd'hui de Jeff Foster. J'espère que vous allez bien. Ce texte s'intitule « Dans les moments sombres, augmente ta lumière ». C'est parti pour la lecture. On se détend, ça fait du bien, on se pose. Quand quelqu'un t'insulte, te réduit à une chose, quand on te donne un conseil que tu n'as pas demandé, quand quelqu'un te rend responsable de sa douleur, quand quelqu'un ne t'écoute pas et parle sans arrêt de lui-même, quand quelqu'un te compare aux autres, quand quelqu'un ignore, invalide, juge ou ridiculise tes pensées ou tes sentiments, arrête-toi, respire. Reconnais que c'est leur douleur, non la tienne. Reconnais qu'ils sont en train de rêver, le seul rêve qu'ils peuvent rêver jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Reconnais qu'ils ne te connaissent pas, mais seulement leur fantaisie. Peut-être ont-ils du mal à s'aimer eux-mêmes. Peut-être cherchent-ils leur valeur à l'extérieur. Peut-être sont-ils déconnectés de leur respiration, de leur corps, de ce qui est vivant et précieux en eux, de leur véritable vocation. Peut-être vivent-ils dans un monde dualiste, de bon et mauvais, vrai et faux, succès et échec. Peut-être ont-ils oublié la simple joie d'être. Peut-être que tu comprends cela. Peut-être as-tu été là où ils ont été. Ne cherche pas à les changer maintenant. Peut-être ne changeront-ils jamais. Ne cherche pas à les corriger. Ils n'ont pas demandé à être corrigés. Plus tu pousses, plus ils te repousseront. Ne te laisse pas prendre dans leur tissu de peine. Vois clair et même de la compassion. Mais ne pousse pas. C'est ok qu'ils soient contrariés. Ça l'est vraiment. Donne-leur l'espace pour être contrarié. C'est ok qu'ils soient déçus par toi. Donne-leur l'espace pour être déçus. C'est ok qu'ils te jugent. Fais de la place pour leur jugement aussi. Fais de la place pour tes propres pensées et sentiments. Permets-toi de te sentir triste, en colère, coupable, d'avoir des doutes. Laisse ces précieuses énergies être lavées à travers toi. Elles ne te feront pas de mal si tu leur permets de bouger. Oui, tu rencontreras beaucoup de gardiens dans ce voyage. Continue ton chemin quand même et permets aux autres de poursuivre le leur. Tu n'as pas besoin de justifier ton chemin ou de le défendre. Reste proche de toi dans ces moments éprouvants. Ne combats pas l'obscurité. De toute façon, elle n'a pas de pouvoir. Simplement, augmente ta lumière. Jeff Foster. Alors, moi, personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai beaucoup aimé ce texte qui en revient au sujet que j'ai évoqué dans les dernières vidéos, qui en revient aussi aux émotions, ce qu'elles nous permettent de travailler, pas sur l'autre,
mais sur vous-même, puisque c'est vous, l'explorateur, l'acteur, l'expérimentateur de votre vie, un peu de celle des autres, c'est vrai. Et souvent, j'ai remarqué dans nos échanges en privé que vous, que nous, remettons à l'autre les formes d'émotion ou de souffrance que nous découvrons chez nous. C'est vrai. Et ce texte m'a vraiment parlé. Et je trouve qu'il permet d'équilibrer et de comprendre comment on peut fonctionner ou décider de changer nos attitudes négatives et d'en faire quelque chose de positif en augmentant notre lumière. Quand on augmente notre lumière, automatiquement par la loi d'attraction, on augmente aussi le taux vibratoire et on attire des personnes, on attire des lieux, on attire des situations qui correspondent à ce taux vibratoire. Je vais vous dire namasté et je vous souhaite très belle journée ou soirée, c'est selon. Juste encore un petit aparté. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et recevoir des notifications quand je poste des vidéos ou d'autres chaînes YouTube. Il n'y a pas que la mienne, la nôtre plutôt, puisque c'est un outil de partage et rien de plus. En vous créant un compte YouTube à partir d'une adresse mail valide, et vous pourrez de la même manière, postez des commentaires, puisque sur cette chaîne, les commentaires sont autorisés, sont même encouragés pour ceux qui connaissent la chaîne maintenant. On aime bien échanger, partager nos points de vue. Par contre, tous les commentaires trop négatifs ou agressifs envers les autres membres seront supprimés par l'équipe de modération. Donc, c'est pas la peine de vous fatiguer. Nous cultivons depuis plus d'un an déjà un égrégore extrêmement positif sur cette chaîne qui n'aurait pas lieu d'être sinon. Voilà. À très bientôt pour une autre capsule vidéo.